Vous savez, dans le discours actuel, ou après, vous parlez de société patriarcale. Maintenant, il faut comprendre avec modèle de société patriarcale, ça, il vise à dire que ce sont des sociétés, en quelque sorte, qui dominaient par ce qu'on appelle la figure du père en tant que détenteur de pouvoir, de domination sur société. Maintenant, soit pas entré dans le détail, ou pour aller loin de société patriarcale, ça, yo, c'est toujours garçon, yo, en quelque sorte, qui toujours occupait des positions de pouvoir, qui toujours, en quelque sorte, occupait des positions dominantes en dedans société, ça. Ceci étant dit, gagner ce qu'on appelle, en quelque sorte, yo, structure du pouvoir, ça a eu les deux power structure, qui chita, qui établit avec une certaine conception de vision de l'homme en tant que dominant en dedans société. L'homme directeur, l'homme président, l'homme entrepreneur, l'homme mari, l'homme abdominé, l'homme défenseur, l'homme ceci, cela. C'est-à-dire que, mais en forme de masculinité, qui imposait une certaine vision de la société, de l'homme aussi, et de rôle, de repartition des rôles, des tâches, des statuts, des ressources en dedans société, à qui, le plus souvent, allait de, non, avantage, dans intérêt l'homme. Maintenant, il faut constater que depuis quelque temps, gagnons remise en question de formes de domination, ça, en dedans société, occidentale, dans la mesure où les sociétés occidentales a remetté en question modèle, ça a eu les modèles société patriarcale là, qui reposait sur une forme de structure, en forme de pouvoir systémique ou bien systématique, dans la mesure où c'est l'homme cap et qui toujours dans position dominant, yo, dans position de pouvoir, yo, pour exercer pouvoir, yo, sous en quelque sorte, reste société. Maintenant, il faut comprendre que, sous pas prêter attention, ou qu'à considérer discours ça comme vrai, dans la mesure où, il faut comprendre que toute société occidentale, toute société patriarcale, c'est l'homme qui a dominé. Mais en réalité, on va regarder que l'homme, non, en réalité, il subit même domination par là. C'est-à-dire que, ça ou pas prêter attention, yon discours qu'on s'accapie jour, aux sociétés patriarcales, et pourtant, la domination dans ces sociétés, en quelque sorte, yon toujours exercée par yon minorité. Il faut pas confondre le fait que yon fait yon amalgame conceptuel avec question homme, non? Et puis, débutant, c'est yon minorité, tout petit, dans l'homme, non, groupe homme, non, qui a exercé pouvoir, et pouvoir ça aussi exercé sous majorité homme, yo. Am le dit, voilà. Même l'homme, non, ce discours, en quelque sorte, même l'homme, non, aussi victime de lui, de la mesure où, yo relais société à société patriarcale, société à où c'est garçon qui a mené, c'est l'homme qui a mené dans la société pendant ce temps, 80% aïe, nègre, homme dans le monde, dans la société, ça, yo dominé par un autre petit groupe homme. Maintenant, l'autre dit comme ça que, l'homme, non, en quelque sorte, c'est lui qui a dominé, ou visé à généraliser, ça, c'est-à-dire que c'est tout garçon qui a dominé, en réalité, qui est en position de pouvoir. Et pourtant, on va regarder bien, on va prouver que c'est pas tout garçon qui a dominé, c'est une minorité garçon qui, en quelque sorte, a dominé d'abord d'autres garçons, et, par voie de conséquence, dominer, ratio qui c'est petit, qui c'est timoun, et qui c'est femme, en dedans société. Maintenant, va nous faire très attention, parce que, avec amalgame, sous pas un esprit d'analyse pointu, pour capable cerner conceptio et clarifier conceptio, c'est normal, on va tomber dans piège, oui, société patriarcale, et pour commencer par parler de l'homme, non, et ou pas même prêter attention de réalité, en quelque sorte, que concept ça a caché derrière, discours ça a caché derrière. Maintenant,
ou pral jwenn yon mouvement qui pral émerger, yo rele le féminisme qui gagne dans tête li d'abord qui était commencé au début du 20e siècle avec Simone de Beauvoir qui lui-même pral écrit un livre le deuxième sexe en quelque sorte qui pral une figure emblématique dans le mouvement féministe ça. Et puis qui pral atteindre son apogée bien entendu aux alentours des années 60 70 avec la libéralisation, le mouvement de la libéralisation des mœurs et sexuelles, côté mesdames yo pral dit que yo disposé naturellement de corps yo tout et tout. Alors nous pral que mouvement ça a commencé non cadre philosophique intellectuel et que li pral passer pour un cadre les cultures là côté que yo pral remettre en question la femme n'a disposé d'elle même de colis, elle va quitter sphère culturelle là pour entrer dans dynamique politique économique, c'est-à-dire idéologie, ça va faire chemin ni côté que le pral attaquer des sphères de pouvoir surtout dans le domaine économique, côté mesdames yo pral estimer que yo même yo ta supposé si yo tout, faut yo gain pouvoir économique, faut yo manager faut ceci et pour et esprit ça va aller plus loin, idéologie ça va aller plus loin, côté le pral entrer dans sphère politique et puis yo pral parler de égalité des femmes, égalité des femmes, parité entre hommes femmes, parité, ceci étant dit, mouvement ça, parle tellement attaqué, infrastructure avec structure, power qui mettait en place dans la société, yo, que mesdames, yo, en quelque sorte, pral penser que yo gagné. Mais piège que mesdames, yo, pas prêté attention à elle, y a parlé de l'émancipation de la femme, y a parlé de, en quelque sorte, le droit de la femme de disposer de son corps, y a parlé de égalité entre hommes et femmes, y a parlé de parité en termes de salaire, y a parlé de que femme, yo, t'a supposé aussi, et vin docteur, vin para, c'est là. Mais le problème qui se pose, c'est une vision erroné de la réalité sociale. Pour qui raison? La société, toute société est structurée, organisée de façon pyramidale. Ce que je veux dire par là, mes chers amis. Maintenant, pour faire une bonne analyse structurante et bien chita, toute société toujours structuré de façon hiérarchique, pyramidale, pas bien à sortir de là. D'effort, toute revendication qui t'a fait en dedans société, ça, qui visait, en quelque sorte, le pouvoir, toute idéologie, ça, toute revendication, ça, tout pour et mouvement, ça, yo pas essence à entrer dans une dynamique inégalitaire. Pour qui raison? Parce que la manière dont les ressources sont reparties en dedans société pyramidale, yo, l'a toujours créé ce qu'on appelle inégalité. Quand je parle de ressources, m'a parlé en même temps de pouvoir. Le pouvoir, c'est une ressource. L'argent, c'est une ressource. Écoutez bien, l'argent, c'est une ressource. Pouvoir, c'est une ressource. Culture, c'est une ressource. Éducation, c'est une ressource. Écoutez, tout bagage, ça, c'est une ressource. Maintenant, puisque gagnons rareté de ressources et gagnons dynamique de contrôle pour les ressources, et les ressources peuvent être utilisées comme des outils pour dominer, pour asseoir son hégémonie, pour guider et contrôler le comportement des autres, c'est normal lorsqu'on rencontre des revendications, des causes qui en apparence paraissent justes, mais lorsque cause ça yo, revendication ça yo, commence à entrer dans des sphères de pouvoir, d'autorité, de dans la société, c'est normal, il peut venir créer source d'inégalité et source de frustration. Oh, prof, la somme, les dit, voilà. Mais je l'ai dit que, là où un groupe, mesdames, a parlé de mouvement féministe, y'a parlé, la revendication se fait au nom de la femme en général. Mais, l'acquisition des ressources de la société, l'est toujours allé au bénéfice de une petite minorité de mesdames. La prof l'a dit là.
Prof Lavle dit que les revendications se font toujours au nom de la grande majorité. Mais l'acquisition des retombées économiques, financières, pouvoir, culturel, politique, toujours fait de façon inégalitaire parce que at the end of the day, c'est toujours une petite minorité qui toujours bénéficiait de tout privilège, de toute raison d'être bataille là, de toute raison d'être cause là. En réalité, la cause, au départ, n'a jamais été la cause de la majorité, mais la cause d'une minorité assoiffée de pouvoir, assoiffée d'autorité, assoiffée de domination, assoiffée d'avancement au niveau social. Je société a structuré de façon pyramidale, là c'est le problématique. Non? C'est pas le fait que revendication l'en juste, c'est pas le fait que j'ai revendication l'en pas juste, mais c'est le fait que structure société a même, organisation société a même, son société qui structurée de façon pyramidale, l'organiser de façon pyramidale, hiérarchiser, c'est normal, l'égétant source de d'inégalité, l'égétant source de division, l'égétant source de saïorélé, et pratique discriminatoire et d'exclusion.